Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Cette vidéo apporte les réponses aux questions posées par un grand nombre d'auditeurs. Premièrement, où en est la fermeture des centrales nucléaires qui se trouvent sur la Lune? Deuxièmement, que se passe-t-il actuellement sur la Lune? Troisièmement, quelles sont les conséquences du décès de Sa Majesté la Reine Elisabeth II sur le déploiement de la grande réinitialisation et du nouvel ordre mondial? Je suis Tim de Space News. Cette présentation est le troisième volet d'une série de 6 vidéos et de 3 directs dont le thème principal est un cheminement spirituel, l'illumination et l'ascension ou l'intégration en 5e densité. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur des sujets d'actualité brûlants parce que leurs conséquences impactent et influencent le développement à la fois spirituel et quotidien et l'autonomie de chaque personne sur Terre et de l'humanité dans son ensemble. Commençons par la Lune. La plupart d'entre vous sait que la Lune est une biosphère artificielle. Si vous ne le savez pas encore, regardez ma vidéo numéro 2, postée le 14 juillet 2021, il y a un peu plus d'un an, qui fait 61 000 vues à ce jour et qui dévoile la nature de la Lune en tant que biosphère artificielle extraterrestre. Elle aborde notamment le sujet de la bulle électromagnétique qui l'entoure, qui maintient la population terrienne en 3D, c'est-à-dire à 7,83 Hz, la résonance de Schumann, au lieu des 50 Hz, donc 5D, densité qui est celle de tout le reste du cosmos lorsque l'on sort de cette bulle. Vous pouvez également vous référer à mon livre artificiel qui la présente sous toutes les coutures ainsi que son passé et le nôtre par la même occasion. Toutes ces informations m'ont été données par mon contact principal extraterrestre qui s'appelle Zen à cause de son grand calme, son innocence et sa gentillesse, mais également grâce à une trentaine d'autres contacts extraterrestres sur Terre et dans l'espace qui au fil des ans m'ont passé ces informations. En 2017, Zen m'avait dit, comme je l'avais déjà mentionné dans le passé, que suite à une attaque d'un groupe extraterrestre qui avait formé une alliance et qui était composé de plusieurs races comme les Pléiadiens de Tégète, les Syriens, les Antariens, les Alphratiens, les grands gris à nez plat et tortant, ainsi que les Urma, la race féline lyrienne, que la Lune avait été complètement vidée de la présence reptilienne et du contrôle du SSP, le Secret Space Program, le programme spatial secret américain. Il avait aussi précisé que la Lune était si dévastée, que la flotte avait eu beaucoup de mal à y atterrir et que c'était un crève-cœur pour lui de la regarder car tout était en ruine. Il a dit aussi, ce que j'avais partagé avec vous en 2020, que la majorité des 12 centrales nucléaires étaient dorénavant hors service, avec 2 centrales encore en activité, l'une à 40% et l'autre à 80%, et qu'elle tomberait en panne dans les 2 ans, c'est-à-dire cette année en 2022. Ces 2 dernières centrales et l'ensemble de celles qui sont hors service
sont gérés depuis une base de type militaire appelée S4 qui est en surface. Cette base était sous le contrôle des Andromédiens et des Arcturiens, puis uniquement des Arcturiens, et depuis en collaboration avec les Pléiadiens de Tégète. Voici donc les nouvelles informations que j'ai reçues depuis. Zen, lorsqu'il m'avait parlé de tout ceci, ne m'avait pas donné les informations que je vais maintenant partager avec vous. Il avait parlé de son côté des choses, la manière dont il percevait les événements, et pas du tout du côté de ceux qui étaient attaqués. Voici donc des précisions. Ce que j'ai appris depuis, c'est qu'il y a en fait trois bases sur la Lune. Zen m'avait effectivement parlé de bases souterraines dans lesquelles il me disait que les vaisseaux reptiliens qui étaient capturés étaient en fait stockés dans une ou plusieurs bases et étaient démontés pour récupérer les pièces détachées. Donc, il y a une base en surface et deux bases souterraines. En surface, la base contrôlée par les Arcturiens et les Pléiadiens, selon ce qu'affirment ces derniers dernièrement, en collaboration avec le SSP, le Secret Space Program, le programme spatial secret. Cette base S4 est aussi appelée Col Alpha. Col, COL, voulant dire base de commandement des opérations lunaires. La base S4, Col Alpha, est celle où ont lieu toutes les réunions, où se trouve un cosmoport spatial pour le décollage et l'atterrissage, et d'où est géré et contrôlé tout le trafic spatial. Mais il y a aussi deux autres bases souterraines, Col Beta ou Col Bravo et Col Charlie. Ce sont des bases de commandement lunaire hautement classifiées en raison de la nature des opérations qui y sont menées. Ces deux bases souterraines ont été construites dans les années 1950 par le régime nazi qui avait construit la première base Alpha à l'origine. Alors qu'ils étaient en train de construire cette première base Col Alpha, la S4, les scientifiques nazis se sont mis à explorer la surface lunaire et ils ont découvert d'immenses portes, des sortes de trappes actionnées par des technologies très avancées qui menaient à l'intérieur de la Lune. Ce que vous voyez maintenant est une reconstitution faite en CGI. Après avoir découvert comment réactiver ces portes rétractables, les scientifiques allemands ont trouvé une méga-base spatiale remplie de technologies extrêmement avancées qui semblaient avoir été détruites de manière catastrophique il y a des milliers d'années. Et ils ont reçu l'ordre de ne pas entrer ni de s'approcher de cette base. Et ils n'ont donné leur accord qu'après avoir poursuivi leur découverte, jonchant les ruines et la dévastation, il y avait des corps de personnes, d'explorateurs extraterrestres anciens, appelés les Adamites. Ils formaient un groupe et s'opposaient aux Evenites, donc Adamites, c'est Adam, et Evenites, c'est Ève, d'où l'histoire d'Adam et Ève. Mais en réalité, c'était des clans, des groupes et non des personnes, selon Zen. Depuis les années 1950 jusqu'à nos jours, actuellement, le consortium bipartite alliant extraterrestres du groupe Orion et des terrestres du programme spatial secret
a repris la plupart des actifs spatiaux nazis et a construit une flotte spatiale secrète qui évolue en dehors des surveillances gouvernementales et qui est dotée d'immunité internationale et spatiale qu'aucun autre groupe spatial ou militaire n'a jamais reçu. Le consortium bipartite, maintenant allié au groupe d'Orion, a ensuite reconstruit une vaste infrastructure spatiale au sein de notre système solaire et des dizaines d'autres dans le cadre de plusieurs autres programmes spatiaux secrets. Ils ont reçu un ensemble de plans d'ingénierie très complexes et un accès à une partie de l'ancienne base lunaire où ils ont retiré des centaines de milliers de corps d'adamites desséchés. Une fois qu'ils ont enlevé les corps et catalogué les technologies de base et créé des plans de ce complexe de base gigantesque, après que la reconstruction des bases souterraines eût été achevée, le groupe d'Orion a envahi la zone qui était en reconstruction, tuant en quelques instants des milliers de scientifiques, de travailleurs et le personnel militaire. Les dirigeants et les membres du consortium bipartite qui surveillaient l'attaque depuis la base S4, Lock Alpha, ont envoyé des renforts au Lock Charlie et à Lock Bravo, et ils ont commencé à évacuer les bases de tout le personnel non essentiel. Il fut rapporté lors de cette attaque que de grands extraterrestres gris, des reptiliens et des nordiques d'apparence humaine, apparaissaient de nulle part et attaquaient avec ce qui ressemble à de longs bâtons plasmiques et à des armes similaires à des lampes de poche. Ces armes ont la capacité de détruire la matière organique et d'empêcher le système neurologique et donc le cerveau d'une personne de traiter les signaux en les déconnectant comme une ampoule, ce qui les tue instantanément sans endommager quoi que ce soit d'autre dans la zone d'attaque. Je ne vais pas continuer à vous raconter cette histoire car ce serait une vidéo qui serait hors sujet et qui prendrait au moins une heure. Je pense que cette histoire qui m'a été racontée récemment fait référence à ce que m'avait raconté Zen lorsqu'il avait parlé d'une attaque d'un groupe d'alliés extraterrestres qui avaient ensemble libéré la Lune. Mais cela n'est pas récent. Il avait mentionné, si je me souviens bien, l'année 2010. 2009-2010. Si je mentionne cette histoire dans le contexte actuel de la situation terrestre, c'est pour souligner que si ces bases souterraines sont encore aussi actives que le disent certaines sources extraterrestres sur Terre, il est peu probable que les occupants laisse les dernières centrales nucléaires s'éteindre, car ils en ont besoin pour alimenter ces bases, ainsi que la base S4, la Colle Alpha. Les conséquences directes pour les terriens, c'est que ces centrales continuent de brider la 3D, même si par ailleurs elle est moins forte que dans les années précédentes, et que d'autres choses assistent les terriens dans leur ascension. Les vagues positroniques, comme le soulignait Zen, le dévoilement des activités spatiales et gouvernementales au grand public, qui est en train de prendre conscience que la réalité qu'il avait connue jusqu'à présent n'est pas la vraie réalité. Donc vraiment désolé pour cette nouvelle qui vous paraîtra décevante, mais j'en ai par ailleurs une autre qui va probablement vous plaire pour répondre à la question numéro 3. Et je veux vous l'annoncer sans détour. Ce que l'on appelle le Great Reset, la grande réinitialisation, qui était promue par le professeur Schwab, a échoué.
Elle a échoué en grande partie à cause du retrait de la Chine, suivi par le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Inde, des négociations de Davos cette année. Ce groupe de quatre grandes puissances est appelé le groupe basique. C'est la raison pour laquelle on en entend moins parler. Mais le nouvel ordre mondial est plus puissant que jamais. Tous les pays s'y préparent activement à l'implémentation finale, surtout au travers de la jeunesse de tous les pays. Comme je vous l'ai déjà annoncé, il y a deux nouveaux ordres mondiaux. Le premier, qui s'est terminé en novembre 2021, accompagné de l'agenda 2021, et qui était essentiellement géré par les USA et l'Angleterre. Et la version 2, après la nomination de Joe Biden. Cette version 2 est progressive, continue la mondialisation, continue à investir dans les nouvelles technologies, à accélérer la transition énergétique et à renforcer le multilatéralisme. Avec le décès de Sa Majesté la Reine Elisabeth II, un programme et un script de 70 ans vient de s'achever. Je pense, sans en avoir eu la confirmation, que la reine était une émissaire stellaire, une starseed, et qu'elle a exécuté sa mission pendant 70 ans. J'ai également mentionné plusieurs fois que tous les dirigeants, les élites occupant des postes élevés aux USA, en Europe et d'autres pays, ont été remplacés par des doubles, des clones ou des masques, justement pour mettre fin à la version précédente du nouvel ordre mondial et au plan de faire disparaître 90% de la population mondiale. Le président chinois Xi Jinping n'était pas d'accord avec ce plan, d'où le retrait de Davos des quatre grandes puissances. La reine a elle aussi été remplacée. Selon Zen, elle a été tuée il y a une dizaine d'années par la faction qui voulait exterminer la population terrienne. Puis elle a été remplacée par un clone. Elle était fortement opposée à ce plan et elle a tout fait pour le stopper. Sa Majesté a effectivement dirigé la grande faction de l'élite de la lignée occidentale qui s'opposait au plan visant à tuer 90% de l'humanité. Leur idée était de sauver l'environnement sans tuer tout le monde en utilisant une taxe carbone pour payer les dirigeants mondiaux afin de préserver les forêts. Son côté, cette faction, a perdu en l'an 2000 lorsque leur agent Al Gore n'a pas réussi à devenir président des États-Unis malgré sa victoire aux élections. Cependant, ils se battent depuis et ont finalement réussi à faire disparaître tout le clan opposé. En outre, elle était chargée de négocier un accord avec les familles royales asiatiques pour une meilleure gestion globale de cette planète. C'est elle, par exemple, qui a laissé l'initiative chinoise, la ceinture et la route, Belt and Road, se développer, ce qui a entraîné l'investissement de milliards de dollars en infrastructures sur toute la planète. Elle a également quitté cette ligne de temps et cette réalité en sachant qu'un consensus Est et Ouest avait été atteint pour augmenter la quantité et la variété de la vie sur Terre, y compris la vie humaine, et en sachant que les générations futures bénéficieront beaucoup de ce qu'elle a organisé et de ses actions.
Je m'adresse maintenant à notre groupe de sponsors. Je pense que ces informations sont importantes et qu'elles permettent de mettre à jour ce qui se passe sur la Lune, sur l'échec de la grande réinitialisation, sur le déploiement du nouvel ordre mondial et sur la position de la reine Elisabeth II. Il est important que le grand public rétablisse ces informations dans leur appréhension de la réalité. Je vais donc rendre cette vidéo publique le 1er octobre 2022. Je vous laisse le choix de la diffuser le plus largement possible sur tous les réseaux sociaux pour que tout le monde ait la possibilité d'y avoir accès. Je vous remercie pour votre générosité, votre indéfectible soutien et votre sagesse. Merci. Je vous reparlerai du Nouvel Ordre Mondial version 2 et du transhumanisme dans la série du mois prochain avec des informations qui, je pense, vous étonneront beaucoup. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour le 4e épisode de cette série sur la spiritualité extraterrestre et terrestre. Je rappelle les dates et heures des prochains directs sur YouTube, les 18 et 25 septembre à 17h pour les sponsors. En attendant, portez-vous bien, méditez et soyez heureux. Je suis Tim, l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement de cœur à cœur.